Votre bibliothèque ou votre liste SharePoint, vous pouvez exporter l'affichage du contenu de celle-ci vers un fichier Excel. Pour cela, il faut d'abord revenir en affichage standard de SharePoint. Dans l'onglet Bibliothèque, vous avez exporté vers Excel. Vous validez en faisant ouvrir. Donc là, il faut bien autoriser l'affichage de ce contenu. Donc on va activer aussi. Et donc vous avez la liste de vos documents qui apparaît ici. Et vous avez à chaque fois des liens qui vont permettre de d'ouvrir ce document. Alors ce lien ne fonctionne qu'à la condition même unique, d'avoir déjà accès à votre site SharePoint. Ça veut dire que si vous retournez là, si vous ces documents que vous avez, documents et dossiers que vous avez, voulez vous donner ce fichier à quelqu'un d'autre, eh bien cette personne ne pourra avoir accès à ces documents qu'à la seule condition d'avoir accès à votre bibliothèque SharePoint.